dans la vidéo. Il y a un frère au fond, tu as une bague dans ta poche. Et il y a des rayures sombres et blanches. Tu as des rayures sombres et blanches dans ta chemise, on le voit. Devenu parfaitement décrit par la prophétie, voilà la bague. Il y a l'initiation. Une femme qui a indirectement initié. Il y a un scorpion. Il y a un scorpion, oui. Ils sont trois. Il y a trois scorpions, oui, mon Dieu. J'étais dans les rêves qu'elle m'a montré. En fait, je suis entré dans le fleuve et j'ai pris le scorpion. Et maintenant, avec cette bague, les scorpions se devenaient très gros. Va les amener. Amène les scorpions. L'homme est sorti de l'église, obéissant à la révélation qu'il avait un scorpion, je vais nous montrer les scorpions. Regardez. L'homme nous a dit qu'il aille ramener le diable. Vous voyez, avec un sachet bleu, dans lequel se trouve le scorpion que l'Esprit a révélé au prophète. Voilà, il ouvre ce petit peu. À l'intérieur, vous voyez l'esprit que l'homme de Dieu a vu en prophétie. Voilà la confirmation de la parole de prophétie. Le prophète TB Joshua, il y avait un scorpion. Écoutons le prophète de nouveau. Je m'appelle Maxel Aboubou, je viens du Ghana. Je suis l'homme dont le prophète a prophétisé que je possède une bague et un scorpion. Je confirme que c'est vrai, comme vous le voyez. Nous venons de voir la vidéo. L'homme de Dieu a prophétisé dimanche dernier qu'il y avait un jeune homme habillé avec une chemise à rayures noires. Il a été affecté par un esprit méchant qui a été initié, qui possède aussi avec l'esprit de scorpion. Alors maintenant, entendre sa confession. El hombre de Dios le profetizó a este hombre que tenía un anillo y un escorpión que le había sido iniciado por mujer, así que vamos a escuchar su confesión. So you can see from what happened, the prophet, the life of our brother, that God Almighty is exposing what is happening out there in the world, how the devil is doing all he can to destroy the youth of today, the leaders of tomorrow. Here we are today, another one of them has been brought back to Christ. It is a thing of joy and it is a thing of hope. So that if anyone else watching out there has a similar issue, similar problem with their children or in their family, this is hope for you. Jesus is the hope. Let's put our hands together for Jesus Christ. Sir, you're welcome in the name of Jesus Christ. Please introduce yourself to us and the person standing. My name is Maxwell Abougri. Je m'appelle Maxwell Abougri. Je viens du Ghana. Ma femme à mes côtés, c'est ma mère. Mon témoignage. I encountered a dream. J'ai eu un rêve durant lequel je faisais l'amour à une femme après l'avoir rencontrée. She asked me to go to the riverside. Elle m'a demandé d'aller au river. Where I was living. Dans la ville où j'habitais. Et dans ce fleuve, kings of the town used to watch. Là où les rois de notre ville viennent adorer ce fleuve. The woman, the lady told me, dans le rêve, cette femme m'a demandé d'aller au fleuve, de mettre ma main dans l'eau. Quand je mettrai ma main dans l'eau, ma main va toucher trois scorpions avec une bague. Je vais les prendre et les faire aussi, ils ne me feront pas de mal. Alors quand je les ai attrapés, je les ai mis dans une boîte et je mets de l'eau. Et je me souviens de bague dans ma main droite. Et chaque fois que je vais manger, je mange la bague au doigt. Tout cela, c'est un rêve que vous avez eu, oui. Alors, que s'est-il passé lorsque tu t'es réveillé de ce rêve? Quand je me suis réveillé, je suis allé directement au fleuve. J'ai plongé ma main dans l'eau.
found the scorpions. Et j'ai trouvé les scorpions avec la barbe, exactement comme dans les rêves. Je les ai remis dans ma chambre. J'ai trouvé, j'ai mis les scorpions dans le pot et j'ai versé de l'eau pour fermer. Comme cela me fut instruit par la femme que j'ai rencontrée dans le rêve. Dans le rêve aussi, elle m'a dit de ne jamais oublier cette date. Le jour où j'oublierai cette date, c'est le jour où je mourrai. Mais avec le scorpion et la bague, tout ce que je voudrais dans la vie, si je leur dis, je l'aurai. Ça veut dire. Ça me conduisait à quelque chose de différent. Je volais, smoking, je fumais, drugs, j'étais cocaïne, en drogue, la cocaïne, to the extent of selling cocaine, au point que je faisais des drogues dures. Voilà ce que je faisais. Je volais, pouvais des robots, voler qui que ce soit. Like the spirit made me very fast. L'esprit, drinking, if I enter into a drinking bar, quand je rentre dans une brasserie, après avoir bu, that same place, le même lieu, that same place. Je volais dans ce lieu. It was bringing disgrace and shame. Cela m'a mis une embarras. La honte n'a jamais eu de joie. So it came to a time that c'est arrivé un point. I to even buy cocaine. Je n'avais même pas l'argent pour acheter la drogue. Taking in a different drug. Avec d'autres drogues qui ont affecté ma santé. I was taking overdose of Tramadol. Je prenais une overdose de Tramadol. It was acting my system. Je prenais ça, ça affectait ma santé. So how did all of this stealing, alors comment ces actes de vol, la drogue, comment tout cela a commencé quand vous avez attrapé les scorpions et la bague? Dites-nous quelle fut votre première rencontre, quelle est la première chose que cet esprit vous a poussé à faire? Dans un rôle, je travaillais dans une compagnie minière, une compagnie chinoise. Conducteur de l'excavateur. C'est là que j'ai commencé à voler. Parfois, certains de mes collègues qui sont des conducteurs de machines industrielles, comment j'arrive à voler leur or un jour? Nous sommes allés voir un toxin, médecine, la magie noire. Le chef a que nous volons les Chinois, il ne sera pas que c'est nous qui volons leurs choses. Nous étions les seules personnes qui étaient admises à entrer dans la ville. Alors nous sommes allés voir un sorcier, il nous a demandé d'aller dans la mer, d'aller dans la forêt plutôt. It is mostly found on un animal. So we went and hunt for that animal. We came back. Alors, nous sommes allés à la chasse. Nous avons attrapé un de ces animaux, un animal. On l'a donné, il l'a tué et il nous a donné son sang à boire. Il nous a fait des marques dans le corps. Et chaque fois que nous voulons voler les Chinois, we should talk to the scales of the pangolin. Nous devions parler à cet animal et les prendre le vol. Et personne ne nous attrapera. La première fois où nous avons essayé, on nous a attrapés. So indeed you have lessons to learn. Nous avons des leçons à apprendre. J'espère que les gens du monde entier sont en train d'écouter ce qu'ils disent. Les ténèbres n'ont pas de solution et n'offrent rien de bon. Même s'il fut donné le mauvais conseil d'aller visiter un sorcier, tout ce qu'ils lui ont dit s'est révélé un mensonge. Cet esprit avait dit que tout ce que tu veux avec les scorpions et la bague, tout ce que tu leur dis, tu le recevras, ça fut un mensonge. C'était l'opposé, sa vie a été renversée. Dites-nous, est-ce que vous avez les scorpions et les bagues avec vous? Oui. Montrez-les-nous. Vous voyez, voici les scorpions dont tu nous as parlé, qu'il a attrapé dans le fleuve. Et l'homme que tu avais prophétisé qu'il avait des scorpions, c'est les mêmes scorpions. L'esprit satanique lui a demandé d'aller chercher la lune, et c'est là
dans ce fleuve, il fut capable de sortir ces trois scorpions et cette bague diabolique. Voilà ce que vous voyez. Les trois scorpions et la bague. Les instruments des rituels sataniques qu'il a reçus dans le rêve et qu'il a pris en réalité le fleuve dès son lever. Vous dites que cet esprit satanique vous a dit tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez de ces scorpions et de cette bague, vous l'aurez. Comment tu commences à utiliser ces scorpions et cette bague pour tous les jours? Chaque nuit, j'ai des rapports sexuels avec cette femme dans le rêve. Avant le lendemain, elle va me dire that if I'm out of my house, que si je suis à l'extérieur de la maison, these are the things she wants me to do. And before I would do it, I should get the scorpion and make sure the ring is in my hand. Avant de faire quoi que ce soit, je m'assurerai que j'ai la bague au doigt et que je demande au scorpion ce que je veux faire. From throughout the day. And if I want to buy, I will not get money to buy the cigarettes, or maybe the si j'ai pas d'argent pour acheter la marijuana, la drogue, je vais les voler. From sometimes I go to people's shop. Parfois je vais dans la boutique des gens. Je peux venir dans ta boutique. Je te salue. And you never, you like, we will never know each other before. On ne se connaissait pas. Mais la première fois, you like me. Vous m'aimerez. Because from the way I appear, from the way I approach you. La manière dont je t'approche, tu vas m'aimer. Et dès ce moment, j'ai accès à l'argent dans ta boutique. Je vais prendre cet argent pour la cigarette ou la marijuana. Je m'assure de fumer du matin au soir et de ne prendre que de l'eau. Je ne mange pas de nourriture solide. C'est ce que m'avait instruit de faire. Parfois, elle me dit de fumer la nuit. De la nuit jusqu'au matin. Je me rappelle parfois, je suis sorti de la maison à minuit pour aller fumer juste avec ma mère. Je retourne à la maison. J'ai rencontré ma mère à l'entrée, elle m'a suspecté et j'ai renié. Chaque fois que ma mère me voit, elle me conseille, je me mets en colère contre elle. Puis elle m'a donné des conseils, puis je fumais. Dès qu'elle m'a fait des conseils, j'allais faire quelque chose de pire. Je crois que nous comprenons l'histoire que nous raconte notre frère. Dis-nous quels sont les risques que cet esprit, cette femme que tu vois, mère, que je vois dans les rêves, te demandait de faire avec la puissance de ces scorpions et de cette bague. Dans le rêve, parfois elle me dit qu'elle va voyager le jour suivant. Alors elle m'instruit dans ce cas-là, là où elle va prostituer et de coucher avec elle. Je leur dis, je n'ai pas d'argent pour les là-bas. Elle me dit, va. Elle me dit, parle au scorpion à la bague avant de partir. Toute femme que je rencontre, dans le milieu prostitué, je lui parle, il serait d'accord avec moi. Et sauf que je parle, ça se passe exactement comme elle me le dit. Elle n'a pas seulement détruit beaucoup de vies, mais la vie de notre frère. Vous avez mentionné que vous preniez la drogue, la cocaïne. Dites-nous comment cet esprit vous a appris et jusqu'où vous a amené. Yes, all those things. Toutes ces choses. I always encounter it in the dream with the lady. After making love with her. Toutes ces choses venaient après avoir rencontré le rêve. Après les rapports avec elle, elle me dit ce qu'il fallait faire le lendemain. I never knew cocaine before. Avant, je ne connaissais même pas la cocaïne. J'ai dû faire des recherches pour savoir où j'ai pas acheté la cocaïne et je vais apprendre. Je me suis rappelé, ma mère m'a acheté une mobilette. Je voulais passer un examen, aller à l'école. Alors j'ai vendu cette motocyclette pour acheter la cocaïne. Parce que c'est très cher, ce prix est très cher. Alors, plus tard, certains de mes amis m'ont demandé, m'appelaient et m'ont traité tous les noms. On m'appelait des noms ridicules. La manière dont je fumais, c'était trop. Parfois, je fumais un paquet de cigarettes
d'un seul coup. J'achète un paquet, 12 paquets dans une boîte, et je finissais tout. Mais ils ne savaient pas la raison pour laquelle je faisais ça. Je leur avais jamais dit ouvertement la raison pour laquelle je faisais ça. Alors ils commençaient à me traiter tous les noms. J'étais content parce que ce que je faisais, c'était bien. Je n'avais pas honte parce que je pense que c'était bien. Smoking, the drug taking, everything you were doing was bad or was destroying your life. No. Je ne pensais pas ce que je faisais, me faisait du mal. That you started to get into taking drugs. Did you also start dealing drugs and also that to your friends? Est-ce que vous avez commencé à vendre de la drogue? What did you say about how you not only took drugs for yourself, but also you became a dealer? J'ai dit que non seulement tu prenais de la drogue, mais tu es devenu un vendeur de drogue. Oui. I became a friend to one of the. Je suis devenu ami avec un des trafiquants de drogue. He told me, Yacine, anytime I come, il m'a dit, il a vu que parfois quand je venais, je n'avais pas d'argent pour acheter. Big men who il a in il a des gros hommes, des grands hommes qui travaillent dans des bureaux, dans les assemblées. His agents, he sell drugs to them, so et certains sont tous ses agents, ils voulaient que je sois son distributeur. I can do that job for him. Si je peux faire ce travail pour lui, alors j'aurai de l'argent. Il me dit qu'il gagnait beaucoup d'argent, et c'est vrai qu'il gagnait beaucoup d'argent. Quand j'ai commencé à faire cette affaire, je voyais vraiment de très grosses sommes d'argent. Vous voyez un petit bout de cocaïne, comme une allumette. C'était 3 ou 2 ans. Ghana City. C'est ainsi que j'ai commencé. J'ai commencé à faire beaucoup d'argent. J'achetais et je vendais aux gens. Alors, comment cet esprit a continué à affecter votre vie négativement? Y avait-il des moments où vous avez essayé d'arrêter de fumer, de rencontrer les prostituées? As-tu essayé d'arrêter? Je ne vivais pas avec mes parents, je vivais dans une autre ville. Un jour, ma mère m'appela. À la maison. So I decided to go and stay with my mom. Alors j'ai pris la décision de aller vivre avec ma mère. When my mother got to realize that c'est alors que ma mère a réalisé addicted to something que j'étais en drogue. She never called me to sometimes she only advised me. Elle ne faisait que me donner des conseils. Already, I was already faire ces choses. That system. Mais j'ai déjà trempé beaucoup dans ce système. Alors comment tu es finalement venu à la synagogue Église de la Nation? Comment avez-vous trouvé votre délivrance la semaine dernière? Mon frère m'a dit qu'il voulait voyager avec moi au Nigeria. Je ne savais pas qu'il m'amenait ici. C'était le dimanche dernier que Dieu t'a localisé par sa grâce et tu as reçu ta délivrance. Dis-nous ce qui s'est passé durant ta délivrance et quels sont les changements que vous avez remarqués. Le dimanche dernier, lorsque j'ai été délivré, je ne sais pas. Ma mère me disait des je ne croyais pas que c'était moi qui disais cela. J'étais vraiment, j'avais honte de moi-même. Jusqu'à présent, je crois que c'est comme si un autre être en moi et cet être qui m'a quitté. Cet être est parti, je suis libre. Non, depuis votre délivrance, quels sont les changements que vous avez observés dans votre vie? Quel genre de rêve avez-vous maintenant? Depuis ma délivrance, je n'ai jamais vu cette femme que je rencontrais dans mes rêves avant. Est-ce que tu dis bien? Je dors très bien. Je dors comme un bébé. Je n'ai jamais vu de fumer. Comme quelque chose qui me pousse à le faire. Je pense même pas, je me demande comment j'ai pu faire ces choses avant. Plus la gloire. Applaudissez pour Jésus.
And so life, sir, and how God will be able to deal with this vie, problem. For what God has given votre conseil aux gens que vous écoutez. Écoutons votre mère avant. Bienvenue, madame, dans le nom de Jésus. Dites-nous quels sont votre nom et votre âge. Emmanuel. My name is Dinah. Je m'appelle Diane. Maxwell, c'est mon fils. Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de ce que j'ai fait dans la vie de votre mère? Nous avons tous vu l'extrait vidéo et il a raconté toutes choses. So what I have to say is, alors, ce que j'ai à dire, c'est que je me. All right, let's put our hands together. La bénédiction pour Jésus. And so with this deliverance, la délivrance que le Dieu Tout-Puissant fait dans la vie de votre fils, quel est le conseil que vous donnez aux gens que vous écoutez du monde entier? Mon conseil, c'est pour les parents. A bad person. Chaque fois que vous voyez vos enfants dans une telle situation, priez pour l'intervention de Dieu. Amen. Appelez-vous pour Jésus. And our brother said, madame, that you were the one who brought up the idea of bringing him to the church. C'est vous qui avez pris l'idée de la mise en place de l'évangile. Dites-nous comment j'ai pu faire cela. Un de mes amis m'a présenté à cette chaîne. Alors, j'ai regardé sa chaîne de télévision tout le temps, et j'ai vu la délivrance et la guérison qui étaient ici. Alors, j'ai pris la décision de le ramener ici pour la délivrance. Nous remercions Dieu aujourd'hui que Dieu a rencontré son point de son besoin le plus important, la délivrance et le salut. Appelons-nous pour Jésus. Je voudrais prendre l'opportunité pour remercier l'homme de Dieu. Support. Pour le soutien. Since from Sunday up to depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, il a payé notre frais d'hôtel et notre nourriture. Toutes choses ont été payées par lui. Your deliverance, everything that has to do with you, because what can we do? Jesus Christ is doing this deliverance is not our work. Cette délivrance n'est pas notre travail. C'est l'œuvre du Christ lui-même. En tant que serviteur de Dieu, les ministères de la télévision font tout pour cette délivrance devienne permanente pour la gloire de Dieu. Écoutons une parole de conseil de notre frère, notre mère, notre frère. Pardon. Mon conseil, c'est pour les jeunes qui sont d'ailleurs et qui sont dans les mêmes chaussures, dans la même situation que moi. Run to God. Je leur conseille de courir vers Dieu for their deliverance. Pour leur délivrance. Parce que I thought what I was doing was right. Je pensais que ce que je faisais c'était bien, c'était juste. When I was in the world. Quand j'étais dans le monde. But after I was delivered, mais après ma délivrance, I've realized all what I was doing j'ai réalisé was que tout ce que je faisais était mauvais. So, my advice also alors le conseil que je donne aux autres, I know some of my friends, je sais que certains de mes amis me regardent, certains de mes collègues, mes anciens collègues, with me, ceux qui étaient avec moi, all the situations, dans toutes all les situations, dans toutes les conditions dans lesquelles j'étais. La plupart d'entre eux sont en train de me regarder. Hier, j'ai reçu des textes, messages. Le conseil que je leur donne, c'est qu'ils doivent venir ici dans cette arène de la liberté pour leur délivrance. Jésus-Christ. En vérité, Jésus-Christ a créé tous les pécheurs repentants, le pire des pécheurs peut être pardonné. Jésus est la pierre angulaire de nous remercions Dieu pour votre vie et votre délivrance et nous vous encourageons, vous êtes délivré par la parole de Dieu. Continuez à faire de la parole de Dieu le standard pour votre tendresse, la délivrance et la bénédiction qui vont avec elle dans le nom de Jésus. Escuchamos esta maravillosa confirmación de profecía. Este hombre que se encuentra aquí en las naciones el domingo pasado, donde recibió un mensaje profético. En el que el hombre de Dios le decía que tenía un anillo y unos escorpiones. Él viene a dar su confesión y él dice que él tuvo un sueño en el que una mujer tuvo relaciones sexuales. Entonces, ella lo inició. Esta mujer lo llevó a un río donde él sacó tan pequeño.
pequeños y le dio este anillo. Esta mujer le dijo que él tenía que estar todo el tiempo con estos escorpiones y con este anillo, que cualquier cosa que él pidiera iba a suceder. Entonces este hombre, a raíz de eso, empezó a tener muchos problemas. Se volvió drogadicto, empezó a vender droga, también se volvió adicto a fumar. Problemas empezaron a suceder en su vida. También empezó a robar para poder tener acceso a la marihuana o a los cigarrillos, debido a que estaba sin trabajo. Dans le merveilleux témoignage de ce jeune homme qui, la semaine dernière, l'homme de Dieu a donné une prophétie disant qu'il y a un jeune homme ici qui a été initié et qui a aussi trois scorpions avec lui et aussi une bague. Effectivement, elle est sortie pour confirmer la prophétie de l'homme de Dieu. Il a dit que tout a commencé dans un rêve où il a vu une femme dans le rêve lui dire d'aller dans une rivière qui est fréquentée par de grandes personnalités, et disant de mettre sa main dans l'eau. Et lorsqu'il allait mettre sa main dans l'eau, il a trouvé une bague et trois. Effectivement, lorsqu'il s'est réveillé de ce rêve, physiquement, elle a été dans cette rivière, et lorsqu'il a mis sa main dans l'eau, la femme lui avait dit de trouver les trois scorpions et la bague que nous voyons à l'écran, c'est instant même. Elle a dit depuis ce jour-là, sa vie a complètement changé, chamboulé, sa vie s'est empirée. Elle a dit que normalement, sa femme lui avait dit que tout ce qu'il voulait accomplir dans la vie, il devait juste prononcer ces choses et le dire aux scorpions premièrement et avoir cette bague dans sa main droite et que tout allait s'accomplir. Mais au contraire, sa vie s'est empirée. Elle a dit qu'il a commencé à fumer du chanvre bien, de la cigarette et jusqu'à fumer même de la cocaïne. Elle a dit que cet esprit méchant qu'il couchait avec cette femme tous les soirs dans son rêve, elle a dit qu'il lui donnait de pouvoir. C'est comme cela qu'il a détruit sa vie, a rencontré des prostituées et aussi se droguer, voler, même pouvoir se droguer encore plus. Mais aujourd'hui, il rend toute la gloire à Dieu, car cette parole prophétique est complètement libérée et sa mère aussi se réjouit de la délivrance de son fils.